Cloud. Alors que là, c'est qui a les impact kills là? C'est qui? Regardez, c'est de l'écho. Il a mis CR Max. Bonjour, c'est les impôts. Vous voulez échanger vos skins? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Des sauts de bande, des sauts de bande. Bon, vas-y, le timing. Non, c'est pas possible. Stairs. Sandwich, 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 sandwich. The guy stairs is sandwich. You're getting pushed, guys. You need to push. Tu vois, c'est pareil. Pourquoi tu piques avec la bombe? Bah, la prochaine fois, j'irai me cacher, je servirai à rien du round, je mourrai pas et on les attendra s'ils vont avancer dans le plan de jeu en fait. Si c'est eux qui vont créer de l'espace par le mid, est-ce que vous croyez que ça serait arrivé? Vu que je suis mort et que les mecs ont quand même pas avancé dans le connecteur. On est mort, la bombe est à terre, ils ont quand même pas avancé dans le connecteur. Tu vois? Donc là, moi j'avance, tu vois, j'avance. Faut aller débloquer la situation, on va avancer, point la ligne. Voilà, et là playmaker. Qui c'est qui sort en A? Qui c'est qui fait le kill connector? Qui c'est qui met un mec low HP? Qui fait ça là? C'est eux ou c'est moi? Voilà. One more. You have the bomb, you have the bomb, it's fine. Just play the bomb, it's planted for you. You need to die first, Orange. Default? Yeah, yeah, default, default, default. Yeah, yeah, default. It's left side default, like close to the box. Non, 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 default, default, yeah, yeah. Non, default, default, yeah, yeah. C'est quoi, c'est ma faute encore là? Vas-y, explique-moi. Tu vois, et ça c'est des trucs que les gens comprennent pas. Faut sortir là de la rampe, faut aller faire le kill. Mais c'est une prise de risque. Si je me fais arracher et que je fais tomber la bombe, les gens ils vont dire, why, why you do go out with the bomb? Mais frère, si tu fais la salope et que tu suis pas, ça marchera pas. Et après, je veux aller prendre l'espace palace pour aller me mettre à l'abri, pour pas être BP, me prendre des molos, des grenades et tout machin. Donc je meurs en étant en train de move, c'est fatigant, tu vois. Et bon, c'est comme ça. Alors là, qui c'est qui sort middle même s'il est blanc? C'est moi. Ah, j'ai un HP, au revoir. I go away, go away. Just split A, go con, go con. Go con fast, please, go con fast. Last B. C'est simple, les makers. Et moi, et même si je suis pas un joueur impressionnant. Aïe aïe aïe. Même si je suis pas un joueur impressionnant, je sais l'impact que j'ai dans une game. Je sais les kills que je vais faire, je sais l'espace que je crée, je sais les zones que j'essaye d'ouvrir. Je le sais en fait. Je bait pas, je me chie pas dessus, j'ai pas peur de mourir, j'ai pas peur d'avoir des stats éclatées. Et ça, malheureusement, tant que t'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce genre de truc. C'est ça qui est triste en fait. C'est qu'un débile pourra toujours respecter un mec qui est spectaculaire. Par contre, un mec intelligent pourra respecter des mecs intelligents. Quoi. Flash short, flashing. Link the bench and one short close. Don't die, go away. You want flash short? No, no, just go away together now, please. Et là, je suis 1v30. Ça pue. Là, le mec en B en plus, il s'est bien caché, il s'est regroupé avec ses potes. 30 seconds, no bomb. I'm saving.
Vous voyez, j'ai caché l'AK avant. Vous m'avez pas vu faire mon round, mais j'ai jeté une AK middle. Celle-là, je l'ai cachée. J'ai pris l'autre. Je suis allé save parce que je sais que le round est perdu. Donc autant que je save, autant que j'en cache une pour pas que le CT puisse en profiter. Et j'ai jeté la bombe avant de crever. Enfin, avant de, que mon pote crève pour éviter de mourir aussi avec la bombe. Il n'y a pas un mec qui va dire « Malek, t'as fait des moves intelligents pour limiter les dégâts. » Parce qu'il n'y a que des débiles qui pensent aux stats. Don't pick me, don't pick me. Now pick me, now we can pick me, now we can pick me. You run short bro. Two last B. Go away. Hello. Voilà. Et je viens de dire deux last B. Goa, il est mort et il a dit hello. Hello. En mode. En mode. Wesh, pourquoi y'a pas de refrag? Voilà. Ceci était un 4v2. You want to play instead of me? You want to take the joystick? Yeah, I want. He's not looking at you. Kill him. Yeah. Grenade out. Je vais le troll le round carrément. Ils sont en bas. Yeah, I know. I said I'm gonna. Yeah. Don't worry. Yeah, go PlayStation. If you want to play instead of people, just go PlayStation. Ah, c'est pareil. C'est ne le joue pas comme ça. Joue-le comme si. Joue-le comme ça. On est 4v1. J'ai dit les deux 4v2. Les deux là, en B, venez en vent A. Ils sont tous allés en B. Ils sont tous morts. Mais moi, une fois que je suis en 1v1. Ouais, non, le joue pas comme ça. Joue-le plutôt comme ça. Je sais qu'il faut pas que je grenade, hein. Mais là, j'ai dit, je troll, vous avez bien vu. Je vais le grenade, je vais le flasher, je vais le ci. Ça me casse les couilles, les mecs qui backseat comme ça. Ils sont nuls. Je vous le dis, ces mecs-là sont nuls. Hein. Fais tab, je suis devant tout. Je suis devant tout le monde. Il smoke city. C'est de l'écho ça. Si ça se la régale comme ça, c'est de l'écho, je vous le dis. Miam miam. Bomb default, not fire. V1, ils sont tous les trois allés chercher le mec. Bon, pas planté pour lui. Si je meurs, le mec peut faire un fake. Enfin, il a l'avantage sur son 1v1. Quoi. Il peut faire ce qu'il veut après sur le dernier qui est jungle. Hein. Regardez les stats. Hein. Lui, la strike là. Il a triplé son KD juste sur les Kozeko kills. Là, c'est de l'écho encore. Hein. Short for you. Vous pouvez le voir, c'était de l'écho. La bombe, elle est spawn terrain. C'est magnifique. Ils l'ont laissé. Pas de kill en écho pour Malek. Le round d'avant, j'en fais un. Mais je suis 1v1 et le mec est armé. Je précise. En deux rounds, j'ai pas eu un kill d'écho. Et eux, ils se refont une petite santé là au niveau des stats. Ah, je suis 4v5, premier round d'armée. Donc 2 kills, 2 rounds où ça court comme des zinzins parce que c'est de l'écho. Là, c'est le premier round d'armée depuis. Enfin, deuxième round d'armée. Et là, c'est la Zumba. J'attends qu'ils fassent un truc. One on the pass, guys. Là, je suis 3v5, 1-20, round fini. Voilà. Et là, c'est à moi de faire les stats. Quoi. Avec lui, il allait repartir un moment ou un autre. Let's go away. Donc ça, c'est un kill impactant, tu vois. On est 2v4. Je fais un kill 2v3. Ça nous donne une chance.
bien évidemment, lui, une grande salope, faut que je passe devant lui parce qu'il se chie dans le slip. Il a de la merde plein le cul. Voilà, encore un petit kill pour le frère. J'ai bloqué jungle. Et je me retrouve un V2. Oh, j'aurais peut-être pu un peu le cover quand même. Ah, bien évidemment, grill. C'est ma faute. La bombe. Je suis encore 2v5 à 1.40 pour le deuxième round armé. Enfin, le troisième. Voilà. Donc, le strike, il a fait. Donc, le strike là. Il avait fait deux fois d'affilée sur les rounds d'écho là. Il avait fait 3 kills, 3 kills. Et il était à 13 depuis là, il avait pas fait un kill. Et là il a fait 2 kills maintenant en exit, en save. Comme moi là, je viens d'en faire en save. Et regardez son. Donc, il a 3 de KD, 15 kills. Et lui, il va se prendre pour simple dans à la fin. À la fin, quand on va perdre la game, il va dire eh, mon équipe, elle est où? Ouais. Et dessus là, il y a déjà 6 kills là-dedans. Qui ont zéro impact. Flashing stairs. C'est pour la flash, de rien mon frère. Moi je fais de la merde. You hit him, you hit him, you hit him. Et le striker, regardez, le striker, qu'est-ce qu'il est parti faire sur ce round? Lurker en B pendant que nous on est en A, last round pit. Voilà, encore une fois, aucun impact. Aucun impact, ce mec là n'a aucun impact. Ça c'est les stat players de Faceit qui sont horribles. Et encore, là on est 4v1, on est en train de le perdre. Avec le strike qui est revenu bien évidemment sur le game. Sur le game plan. Là il le joue bien fort. Rendez-vous compte hein, pour faire le bilan là de ce mec. Ce round il a fait un kill en lurk en 4v1. Une fois que la bombe est plantée en A et tout, il est allé en B en 4v2. Le round d'avant il a fait 2 exits. Le round d'avant c'était de l'écho, il a fait un triplé. Le round d'avant c'était de l'écho là, il a fait un triplé aussi. Et ça c'est les mecs de Faceit aujourd'hui. Donc si vous voulez percer, c'est comme ça qu'il faut jouer les gars. Gonfler les stats à mort. Et là moi encore une fois je suis en train de me prendre un petit round 4v5. Aïe aïe aïe. Vraiment les stuff qui partent pas, c'est une horreur. On essaye de conserver cette merde pour pas que les CT nous la volent. C'est de l'écho hein, ça se régale hein. Le strike là il est en train de se mettre bien hein. Il a encore un doublé là le strike. C'est de l'écho comme vous pouvez voir. Ah, je cher. Ah, ils sont deux, je suis dégoûté. 6-6. Meurs quand il passe premier. Bah parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de système. Si tu veux sortir en A comme ça, tu peux, mais demande une flash. Tu demandes juste une petite flash rampe, le mec il se fait pas rafaler automatiquement comme ça. Le mec il a le voile sur le truc, il a un voile sur son écran, ça te donne un petit avantage. Tu sors pas comme ça avec tes deux coronnes, parce qu'en fait c'est ça le problème. Là il a porté ses couilles ici et ici, parce qu'en fait là c'était de l'écho, il a fait 3-3, donc là il s'est fait rafaler. Là il a refait kill exit, kill écho, et là il veut repush, parce qu'en fait c'est faussé de faire des stats comme ça. Tu crois que t'es fort, alors qu'en fait tu n'as pas d'impact. Out. Alors que là, c'est qui a les impact kills là? C'est qui? Out, jungle, what? Alors que là, vas-y, on parle d'impact là si vous voulez. Ça, c'est qui important? Encore au pistol, ça va, Shiba. Prendre la même ligne et tout au pistol, c'est très bien.
faut pas prendre les mêmes lignes que tout le monde parce que quand t'es le compte de l'armée, tu vas te faire smoker, tu vas te faire flash et tout, donc tu vas te faire isoler ta ligne. Là, quand t'es au pistol, en général, ils ont pas de smoke, donc tu prends tout le monde la même ligne et c'est la bagarre quoi. L'USP, faut viser la tête. Hein. Regardez, c'est de l'écho. Il a mis CR Max. Il a mis CR Max pour aller culminer à 20 kills. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Les mecs qui remplissent une fiche de stats à 20 kills, c'est leur quotidien. Tu leur enlèves la moitié des kills en save, exit ou écho. Voilà. Et t'en enlèves 2-3 où ils sont un peu à la WAP. Tu vois, hein, et tu vois les kills impactants qu'ils ont. Il a pris l'overboard. Bah oui. Et ça, c'est Face It, ça. Ça, c'est Face It Life, ça. Tous les jours, c'est ça sur Face It. Regardez. Ah. We have bomb. Out A. Default A. We have the bomb. Push mid. We have the bomb. He's here. Can we push him? He took it. He took the bomb. Ah non, mais c'est pour ça. Là, il y a des gens, ils vont me dire: mais Malek, ferme ta gueule, il a 21 kills, il est trop fort. 3 de KD, toi tu fais quoi? J'ai le même KD que lui, sauf que je n'ai aucun exit, aucun eco kill, aucun save. Enfin, une fois j'ai save. J'ai fait un kill, une fois en save. Personne ne flash le mid. Striker, petit kill, hein. Là il a fait de l'impact là. Ah ok. Je vais péter mon crâne. Je meurs de jeu hein. Il y a déjà des mecs middle. Bon bah je vais pas aller middle me battre. Je vais mettre des flashs. Parce que personne va nous mettre des flashs à nous en fait. Ou alors je sors la WAP fade. Baitef chez Astralis. C'est vrai que Blamef, frérot, bon, il est fort, hein, mais il y a beaucoup de kills qui sont pas impactants dans ses stats. Bonjour, c'est les impôts. Vous nous devez un kill, monsieur. Alors que moi, j'ai des kills impactants, messieurs. Round armé encore. Doublé. Bon, j'ai la WAP, c'est facile en vrai. One more. Il a pris une petite pistache comme on aime. Ah, frérot, c'est une ligne quand même obvious. Tous les jours, tu tires dedans, tu touches pas. Bah, de temps en temps, ça touche. Hein. Et soyons honnêtes, les gars. On préfère avoir un 25-8 qu'un 14-6. Hein. Même si 14-6, c'est pas mal. Mais en vrai de vrai, quand les mecs ils regardent vos stats, ils vont dire 14 kills, t'es nul, t'as servi à rien. Parce que 14 kills d'average, c'est pourri. C'est vraiment pourri. Bon, faut voir le. Là, là. Parce que regardez, il a quand même un ADR élevé. Hein. Tu vois sa fiche de stats, tu dis putain, il a fait une grosse game. Il push le mid. Il a les couilles. C'est Dieu qui donne. Je suis mort. Planting. J'ai serré les fesses tout le dernier round.